Et on est dans Tartine. Et c'est le grand départ pour ce soir, j'en sais rien. En tout cas, direction Italie. C'est ça. Slow dance with your woman. Slow dance with your man. Slow dance with your woman. Let's go. À peine parti que je me réjouissais déjà de tout ce qu'on allait voir et de tout ce qu'on allait faire. Partir. Partir et prendre la décision de s'offrir ses rêves. J'ai passé au moins la première heure à me demander ce que je faisais là, à me demander comment ça allait se passer, avec un sourire à n'en plus finir, à tel point ça me donnait des crampes au visage. C'est pas mal pareil, ouais. Je vais kiffer ma vie, je te jure. On n'est pas encore parti depuis une heure, que t'as déjà fait 30 minutes de vidéo, quoi. Si je dis ça à maman, elle va pas être contente, hein. Pas contente, maman. Je n'avais plus que ça en tête. Rouler, rouler, voyager, découvrir. Après plus de 8 heures sur la route. Oula, 8 heures, t'es gentil encore. 8 heures, 8, 8, 8, 9 heures. Yes. Pour faire le premier dodo et demain. Demain réveil avec vue sur le lac. Ça, ça va être très très cool. Bonne. Mais regardez qui va là. On a le paquet, propriété privée. Okay. Il ne sera pas vendu parce que sinon il y aura des putains de gros bâtiments. Nous avons guide Margot, guide officiel de Annecyville. On a les masques, alors on est des petits chinois. Eh, hey, te moques pas, hein. Mais non, je fais action comme dans les films américains. Margot, qu'est-ce qu'on a ici là, juste derrière, derrière nous là ? Le pont des amours. Annecy, c'était magnifique. Ça nous a préparé à Venise, je pense. Il y a une ambiance toute douce. Et les gens sont tellement adorables. On a eu vraiment beaucoup de chance de rencontrer Margot là-bas, qui nous a fait découvrir la ville de l'intérieur. Elle nous a fait virevolter dans toute la ville à travers les plus jolis endroits. Elle nous a présenté des gens super. Avec le cœur sur la main. Oui, Margot, elle a assuré. Bon, du coup, on était avec Margot, on s'en allait à une soirée. Il y a une story dans un tunnel. J'hallucine, on va mourir. Au secours. Bon, elle n'est pas rassurée parce qu'on se trouve dans un tunnel qui nous amène actuellement. Il y a des murs partout. Qui nous amène actuellement du côté de Genève pour aller direction Aoste, vu que la soirée n'a pas eu lieu, vu qu'on s'est trompé de village. Et on était à 30 km au nord, alors que c'était 30 km au sud. Et Alice, ça va ? Non, ça va pas du tout. Allez, ciao ciao ! C'est après une nuit glaciale passée dans le van que nous reprenons la route en direction de l'Italie. La vallée d'Aoste. Thank you.
Donc là, on vient de payer 46,30€ pour un tunnel. C'est comment ? 46,30€ ? 46,50€ le tunnel. Donc là, tu vas me faire plein de jolies vidéos de ce putain de tunnel parce que on va l'apprécier. Voilà. Ça pique, hein ? Il faut l'apprécier ce tunnel. 46 balles, putain, ça fait mal au cul. Régulation en cours. Allez-y, ouvrez-nous. Allez, 46,50€ et ça nous fait patienter là. Oh, allez. Y'a même pas beau leur tunnel, c'est une blague ou quoi? Moi je pensais qu'il y aurait des paillettes. Y'a même pas de paillettes, putain. Nul. Arrivé dans un endroit désert, un château, on sait pas s'il est ouvert, mais on verra bien. Tous les Italiens sont morts, ou alors ils savent qu'on allait arriver, et ils se sont dit, on va leur faire place. Faut qu'elles découvrent l'Italie en mode tranquille, calme. Le château était malheureusement fermé. On a quand même pu s'y promener quelques instants.